Je suis Alexandre Jeffet, je suis directeur de recherche au CNRS. C'est le troisième séminaire que j'organise au TREI et il porte cette fois-ci sur la notion d'autonomie. La notion d'autonomie, vous la connaissez lorsqu'on parle des voitures, des engins, des intelligences artificielles autonomes, mais c'est aussi un débat extrêmement actif du côté de la philosophie, de l'art, et qui a été repensé récemment. Aussi bien aussi du côté de la philosophie politique que du côté des questions féministes. Et je crois que il n'y a qu'au TREI qu'on peut prendre une notion aussi interdisciplinaire et la travailler ensemble. Notre travail a réuni des gens qui venaient à la fois de la littérature, qui est mon domaine de départ, des gens qui pensaient du côté de la biologie, la question de l'autonomie, du côté de l'intelligence artificielle, du côté du handicap, mais aussi une écrivaine fameuse, Camille Laurence, dont les romans prennent en charge la question féministe. Notre problématique a donc été de savoir si on pouvait faire encore quelque chose de cette notion d'autonomie qui est à la fois extrêmement critiquée, hein, puisque au fond on est autonome qu'à partir du moment où on a des gens qui nous aident, qui nous permettent d'être autonomes, et en même temps extrêmement importante puisque les peuples, les individus cherchent l'autonomie et que les machines nous sont présentées comme allant vers plus d'autonomie. Donc c'est la question des limites de cette autonomie, de cet idéal d'autonomie, de cette manière aussi qu'on avait de rapprocher en fait la problématique du sujet et la problématique par exemple de l'animal et de la machine autour de la notion d'agentivité qui a occupé nos débats. Et je crois que il y a un ensemble de notions, de concepts qui sont novateurs, importants, de sujets scientifiques qui émergent et lorsqu'ils émergent au croisement de plusieurs disciplines, il n'y a qu'au trait qu'on peut les penser.